L'espace intersidéral. Depuis que les premiers hommes des cavernes ont levé la tête vers le ciel, le regard interrogateur, depuis que les premiers bergers ont donné des noms aux constellations, l'homme a regardé les étoiles avec curiosité et soif de connaissance. Aujourd'hui, en cette fin d'année 1956, l'homme connaîtra une nouvelle émotion en contemplant les cieux. La peur. Je suis un tentacule palpitant, tout ce qu'il y a de plus commun sur la planète vie. Je suis un tentacule palpitant, tout ce qu'il y a de plus commun sur la planète vie. Je reste dans les voitures, je chasse le Bretagne, je regarde les étoiles filantes et je bois du bourbon. Enchanté, je suis Lydia Thunder, je le connaissais. Je répare les voitures.
Bonjour, Rudy. Tu n'as pas appris depuis des siècles. Et tu as appris quelque chose au sujet de cette météorite. Mon père pense que c'était peut-être bien autre chose. Et je partais mener ma petite enquête, mais je ne supporte pas mes nouvelles chaussures. Tu ne pourrais pas être un amour et faire à ma place. Retrouve-moi plus tard au restaurant. Oh, je suis très jeune, ce que je veux. Qu'est-ce que je peux te dire? Un jour, je le saurai. Le petit diable est insupportable. Mais une chose est sûre, il a interdit. Papa, je n'en aurais pas voulu un autre. Il est bon, doux et sage. Parfois, bien sûr, il est trop absorbé par son travail, surtout ces dernières années depuis que maman est morte. Mais je suis une grande fille maintenant, je prends soin de moi. Mon père pense que si une civilisation quelconque est assez évoluée pour voyager à travers les vastes golfes de l'espace interplanétaire, elle doit avoir développé de grandes valeurs morales et un amour certain pour la paix. Quant à moi, je ne sais pas quoi penser. J'adore ce boulot. Toi, Do et Do, vous êtes les gens les plus super choux de la Terre entière. Tu crois que l'étoile filante était une fusée provenant de l'espace et qu'elle transportait d'horribles vilains monstres? J'ai entendu dire que ce genre de monstre avalait les gens tout cru et que le feu qui s'en avalait et le feu qui grossissait. Dégueulasse, hein? D'abord les étoiles filantes et maintenant un gros mini. Alors tu les as finis ou tu vas te décider à m'embrasser encore une fois? C'est bien, Vic. On travaille ensemble depuis plusieurs heures, c'est gentil de venir enfin dire bonjour. Qu'est-ce que c'est, Vic? Tu crois peut-être que je me suis découvert un câble pour le coco, ce que je ne pas? Tu penses vraiment que tu as des espaces qui ont connu la balle en deux heures? Tu vois, ça me rappelle à l'article que je viens de dans un hôtel. Il paraît qu'il devrait envoyer des bombes atomiques une fois le temps et toi faire partir un spirale tout droit vers le soleil. Tu devrais commencer à bronzer dans pas très longtemps. Il est temps de venir le faire un petit peu vous, mon petit bout d'amour. Je dis de bien que tu veux faire ton chemin à travers ce mur de ciment que tu appelles un crâne. Thank you.
J'avais enfin réussi à sortir ce satané sujet de la voiture du général. Je n'ai pas encore pu avoir cette foutue valve. Que cette espèce de météorite était peut-être une fusée de l'espace. Des centaines de lascars incroyablement beaux entassés à bord. Ma sœur dit que les créatures de l'espace sont comme nous. Ils viennent incognito dans nos villes, se marient et infiltrent nos sociétés. C'est comme ça qu'ils prennent nos vies. Tu ne sais pas ça, Rémi, qui a donné toute la vraie vie. Quel démon t'est introduit en toi, Rémi. Rémi t'est introduit en moi, Rémi. Mais la voiture du général a l'air plutôt spacieuse, non? Le dernier à poil a perdu. Le dernier à poil.
Kraftwerk. Je ne prends pas ce genre de discours avec moi fils avec toute cette humilité. Des pralines? Non, la maison, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des aliens! J'en ai pas vu, non. Mon seul client de la journée, c'est un homme rondouillard avec une grande sucette. Et puis tout le monde sait que les aliens, ils attaqueraient d'abord Washington, à bord de soucoupes volantes et armés de vaisseaux lumineux laser et tout plein de trucs électroniques. Je travaille qu'avec mes habitués. C'est une fille respectée. Maintenant, tire-toi avant que j'appelle le shérif. C'est un de nos meilleurs clients, il aime pas que je sois dérangée. Qui s'est fricoté avec les États-Unis d'Amérique, il va pas être déçu du voyage. Dites, en parlant de cosmos, il paraît que nos gars sont déjà allés sur la Lune. Et même qu'il y aurait plein de convestes là-haut, de super convestes avec des avant-postes comme...
Marilyn, des PP complaisantes et expertes comme tout homme en pleine possession de ses moyens a rêvé d'en posséder un jour.